Allez, eh ben, troisième et dernière mission de résistance, la lutte contre Franco, le mini scénario de trois, non, la mini campagne de trois scénarios. On a réussi, on a été victorieux. Ben, c'est le livre des règles. On a été victorieux jusqu'à présent sur les deux premiers scénarios, à savoir retour en Espagne 1944, puis éclatement du maquis. Entre 45 et 48. Et on va s'attaquer au fameux troisième scénario, la fin en fait, chasse aux maquisards, entre 49 et 52. Lorsque les forces de l'armée régulière échouèrent à contenir les maquisards, Franco répondit en formant et en déployant une force incroyablement efficace d'anti-guerriéros qui s'habillaient et se battaient comme la résistance. Leur but était de semer la terreur parmi la population et d'annihiler le soutien aux maquisards, allant même jusqu'à attaquer des villages déguisés en maquisards. Les forces franquistes chassaient et dispersaient les maquisards et de nombreux combattants résistants tentèrent de fuir vers la France. Il y eut des missions pour secourir les maquisards emprisonnés, voler du ravitaillement et des banques, pour continuer à harceler et perturber l'armée. Mais les tactiques franquistes portèrent leurs fruits. Les combats cessèrent lorsque certaines parties du maquis se tournèrent vers des efforts politiques afin de renverser Franco avec l'aide des soviétiques. Presque toute résistance au grand jour avait cessé en 1952. Donc là, a priori, on risque d'avoir des missions donc pour secourir des maquisards emprisonnés, donc ça c'est plutôt intéressant, on pourrait peut-être récupérer des maquisards. Voler du ravitaillement, là je ne sais pas ce qu'on pourrait gagner. Et des banques, pour continuer à harceler. Bon, après le reste, je ne sais pas trop. Alors, on ne peut jouer ce scénario que si on a réussi les deux premiers. Donc c'est fait. Et dans la mise en place, ben, on modifie l'étape 3, la fameuse. Le fameux choix des missions, là. Donc, parmi les 20 missions, on ne garde que celles de l'époque 3. Donc, 6. 6 de l'époque 3. On en enlèvera une. Et on aura donc 5 missions à faire. Voilà. La fin de partie, ben, il faut qu'on réussisse ces 5 missions. On perd si on échoue à une mission. Si on perd 5 civils ou plus. Ou si on pioche une main complète d'espions. Alors là, le seul problème, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est qu'on peut perdre dès le premier tour, en fait, hein, dès la première mission, parce qu'il suffit qu'on sorte une main avec trois maquisards, trois espions, donc on n'a que deux maquisards. Alors deux maquisards pour pouvoir battre une mission. Ça risque d'être très 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 dur. C'est pour ça que peut-être ils nous disent, ils nous mentionnent qu'il est bien dans ces cas-là de recruter en fait ces maquisards. Ces maquisards parce qu'on peut se dire, bon, on va essayer de prendre quand même beaucoup de maquisards qui peuvent, quand ils sont cachés, qui peuvent gagner quelque chose. Enfin, avoir beaucoup de dégâts. Donc là, on a nos maquisards. Donc pareil, comme d'habitude, on ne va rien. Rien choisir, on va pas recruter. On fait confiance à notre équipe, à notre chance pour tomber sur des bons maquisards. Donc ça, réserve, ça à nous, réserve, à nous, réserve, à nous, réserve, à nous. Hop là. Je crois que j'en ai 12 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. Donc, nos maquisards, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les 12 qui sont en réserve, qu'on va peut-être pouvoir avoir à un moment de la partie. Dedans, on y glisse 3 espions. Hop là, on remélangera tout ça. Nos trois espions qui peuvent nous faire mal. En fait, à n'importe quelle mission, ça c'est sûr, mais je pense que quand même la plus difficile, c'est peut-être la première. Parce qu'avec la première,
Si on arrive à sortir de la première, on peut savoir un peu à quoi s'attendre dans les suivantes, surtout en termes d'espions. Combien d'espions on risque d'avoir ou on peut avoir lors de notre main de départ. Voilà. Bon, enfin bon, ça, on les met de côté. Ensuite, je reprends un petit peu le livret de règles juste pour voir ce qu'il faut faire au niveau de la préparation. Donc, mise en place, ben, enrôler vos maquisards, ben, là, on n'a pas vraiment besoin, c'est déjà fait. Les espions, ben, on a bien mélangé nos trois espions dans notre planque. Les missions, ben, c'est la fameuse étape 3. Donc là, l'étape 3, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a nos 6 missions de l'époque numéro 3. Donc, entre autres, je pense qu'on va avoir une petite geôle où on va peut-être pouvoir libérer quelqu'un. Après, banque et. Comment dire, banque et ravitaillement, je ne sais pas ce qu'on pourrait gagner. On lance le dé 1, 6 pour la carte à enlever. Ben, la une. On ne fera pas la une. Par contre, les autres, on les remélange. Allez. On met de côté celle-ci pour l'instant. Et on va positionner nos ah ben, 4 missions. Bon, on les verra peut-être après. Okay. Bon, c'est pas bien. Ah, si, bah si, de toute façon, il faut les voir maintenant. Je suis bête vu que. Première mission. Hop. Mince. Ah. 8 en combat. Bon, 4 points de victoire. Hein, donc, elle doit être quand même assez dure. Défend. Ah, détruire le dépôt ferroviaire. On est bien époque 3. Hein. Chasse au maquisard. Un seul maquisard peut être révélé pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. Waouh, c'est quand même assez pénalisant. Peut être révélé. Donc révélé, ça veut dire qu'il est plus puissant. Un seul. Bon. Ouais, je vais le mettre plutôt par là. On est peut-être un peu haut là. Non, on va peut-être descendre. Ouais, ça, je vais le laisser. Le but, c'est de mettre peut-être mes cartes ici. Voilà. Donc, ici. Celle-ci. J'aimerais bien surtout en avoir des. Oh, 8 dégâts encore. Attaquer le poste de police. Ah, là, c'est pour libérer quelqu'un, sûrement, je pense. Mission remplie. Regardez les trois premières cartes du sommet de la planque. Remettez tous les espions au sommet de la planque et défaussez le reste. Remettez tous les espions au sommet de la planque et défaussez le reste. Oh, mais c'est encore un truc impossible, ça. Et défausser le reste. Je comprends pourquoi ça rapporte 5. Hein. En fait, on est sûr d'avoir au tour suivant que deux. Que deux. Celle-là. Je pense que c'est celle qu'il faut faire en dernier. Ouais. Regardez les trois cartes du sommet de la planque. Remettez tous les espions au sommet de la planque et défaussez le reste. Ouah. Donc on risque de prendre une main de 5 espions grâce à ça. Enfin, peut-être. Celle-ci. Ah, ouf! Celle-ci ne fait que 5. Bon, il y a 5 ennemis, mais 5. Défend. Attaquer la maison du maire. Ah, bon, on va attaquer la maison du maire. Tous les ennemis assignés à cette mission gagnent plus 1 à leur valeur de défense. Ouh, il y a 5 ennemis et en plus, ils ont plus 1. J'ai l'impression quand même que l'époque numéro 3 va faire très 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 mal. C'est pour. Ouh, celle-là, elle est rouge. Défendre la ferme. Pourquoi les rouges? Pas pourquoi. Mission remplie. Mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirez-en un au hasard de la partie. Ah, on l'avait eu celle-ci. Celle-ci, c'est. Il me semble, c'est un ennemi qui fait ça. Il me semble qu'il y a un ennemi qui fait ça, qui. Il me semble. Mélanger tous les maquisards 7. Waouh! Bon,
mon avis, la partie là, elle peut être rapide. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi elle est rouge? Est-ce que c'est un défaut d'impression? Étonnant. Très étonnant. Alors, bon, là on a le maquisard, on remélangera. Maintenant, on va positionner nos ennemis. Nos ennemis. Ben, j'ai quand même de la chance, il y en a une à 5. Hein. Il y en a une à 5. Bon, allez, on met nos ennemis. Que 4 ennemis ici. Ici, 4 aussi. Ah ben, j'ai quand même un peu de chance. Elles ont l'air quand même plus compliquées, mais à part celle-ci, où il y a 5 ennemis, les autres n'ont que 4 ennemis. Bon, ça fait quand même beaucoup d'ennemis, hein. Il me semblait que pardon, dans les époques précédentes, il y avait quand même un peu moins d'ennemis. Hein. C'est plus trop. Donc toi, tu montes un peu. Toi, tu montes. Ouais, toi tu montes. Ça va être notre planque. Et 15 cartes, hein, c'est ça. Voilà, j'ai mélangé. Je la mets là, ma défausse. Je la mettrai au-dessus. Mes maquisards, donc, cachés, révélés, seront là. Je regarde vite fait la fin. Les ennemis, donc on a placé les ennemis, les civils, on mélangera au fur et à mesure. Et la main de départ, ben on pioche 5 cartes. Voilà. Et la partie va pouvoir commencer. Savoir qu'on a donc, si on fait un petit récapitulatif, la première phase sera la planification où je peux jouer des maquisards et utiliser leur action planification uniquement. Je choisis une mission. Après, on révèle tous les ennemis de la mission. Les effets défense se déclenchent. On joue nos maquisards, pareil, cachés ou révélés avec les actions associées, mais uniquement attaque. Et on élimine nos cibles. Et le but, bien sûr, c'est d'atteindre au minimum à chaque fois notre mission. Après, les conséquences, eh ben, on vérifie la perte des civils. Les résultats de la mission, les effets de la mission, et mettre fin à la résistance, bon ça c'est uniquement dans le mode normal, pas dans la campagne. On nettoie la zone, à la fin, on pioche une nouvelle main, et on vérifie si on n'a pas une main de 5 espions. Voilà, donc on est parti. Allez, on va mélanger une dernière fois, et on en prend une, deux, trois, quatre, cinq. Allez. Un espion. C'est bien 5 qu'il faut. Je vérifie hein, si c'est bien une main de 5. Piocher. Manitiale de 5. Voilà, on a 5. Alors, Adela, on l'avait. Ah, elle, c'est pas mal parce qu'elle enlève des anti-guerriéros, il me semble, quand elle est révélée. Ouais, c'est ça. Donc, on regarde vite fait notre équipe de choc pour le premier tour. Alors, Adela, 1-1. Donc, qu'elle soit cachée ou révélée, ça ne change pas grand-chose. Déplacer un ennemi de cette mission vers une autre mission. Bon, ça peut être bien ça. Ah, il y a notre Emilio qui, lui, peut copier, il me semble, copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. La phase de l'action choisie doit correspondre à la phase en cours. Et là, défausser un ennemi de cette mission. Ok. Ah, Julia, regardez les trois carte au sommet de la planque, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. Et choisissez une carte de l'exil et placez-la au sommet de la planque. Bon, toi, pour l'instant, c'est pas intéressant. Après, on a notre espion. Ah, lui, j'ai jamais vu, il me semble. Anastasio, là. Anastasio, défaussez un ennemi de cette mission. Il attaque à 0. Oh, et défaussez un ennemi de cette mission. Il attaque à 2.
Ok, donc si on regarde le cumul des dégâts, ouais, 2, 4, 6, 7. On peut faire 7. Au maximum, c'est 7. Et là, j'ai du 8, 8, donc c'est impossible. Donc, soit ça, soit ça. Ça va être réglé, hein, parce que défausser. Bon, ben, je pense que, ouais, on n'a pas assez de dégâts, en fait. C'est des petites cartes, à pas assez de dégâts. Et de l'autre côté, si on veut déjà avoir 5, il nous faut au moins 5. Même avoir 5, ça va être dur, hein. Même avoir 5, ça va être dur. Bon, toi, de toute façon, tu joues qu'à l'attaque. Donc, ça, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Choisissez une carte en exil. Celle-là, j'ai pas envie. Toi, c'est obligatoirement visible. Toi, tu vas pas jouer. Par contre, c'est les deux. Défausser un ennemi de cette mission. Ou copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. Bon, celle-ci, ça vaut pas le coup. Déplacer une mission vers une autre mission, ça pourrait être ça. T'attaques à zéro, quoi. Défausser un ennemi. Ouais, c'est peut-être ça. Et là, pareil, il y a deux. Si je peux attaquer mes deux, là, ça fait 4. 4, 6, ça ferait 6. Mais là, je défausse quand même deux ennemis. Défausser un ennemi de cette mission. Ah, ça peut être pas mal. Oui, mais c'est la phase d'attaque. Copier l'action cachée. Ah ouais, il faut qu'il soit caché. Donc le problème, si ces si deux là, ils sont cachés, on fera jamais 5. Ouais, on peut pas. Ouais, on fera jamais 5. Alors, bon, bah, on va réfléchir un peu. Ok, bon, de toute façon, ça a été quand même assez rapide ma réflexion parce que, bah, au final, je peux pas. Il y a celle-ci, mais il faudrait que je joue tout le monde, ça vaut pas le coup. Donc, il y a forcément que celle-ci. Donc, on va prendre cette mission-là. Phase de planification, jouer avec Mokezar, choisissez une mission. Donc, là, comme eux, c'est attaque. Attaque. Planification ou attaque. De toute façon, je vais le jouer à l'attaque. Planification ou attaque, c'est l'action que je vais lui faire. Et puis elle, voilà. Donc, forcément, on va en jouer aucun. On va en jouer aucun. Ensuite, ben, on a fait ça. On dit, ben, on prend ça. On prend ça. Tous les ennemis assignés à cette mission gagnent plus 1 à leur valeur de défense. Un opérateur radio. Placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. D'accord? Ça serait bien de, si j'arrivais à la déplacer, de la mettre sur la dernière mission que je veux faire, à savoir celle-ci. Parce que celle-ci, ben finalement, je m'en fiche qu'elle survive ou pas. Donc ça, c'est pas mal finalement. Celui-là, le maître espion, ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de la planque. Waouh, 4, on ne pourra jamais le tuer celui-là. Donc on va ajouter un espion. Toi, mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirer un au hasard de la partie. Mince, donc là en fait, ouais, je me disais, qu'est-ce que ça peut être ça en fait comme règle? Mais c'est tout simplement que notre maquisard, il est mort, quoi. Et oui, c'est qu'il l'a tué, le soldat l'a tué. Donc il a 5 aussi. Pfff. Pas mal de le décaler aussi. Ah, un anti-guerriero, il a que 1 de protection. Piocher une carte de paquet civil et placer là, dans le cimetière. Et toi, un ingénieur. Qu'est-ce qu'ils ont, les ingénieurs? Augmenter de 1 la valeur de défense de tous les ennemis autres que les ingénieurs pour cette mission. Donc là, ça fait quand même mal tout ça, hein. Ça fait très 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 mal. Celui-là, si j'arrive à le déplacer, en fait, ça serait bien que je déplace ces trois-là. Celui-là, je m'en fiche un peu, finalement. Ouais, l'ingénieur, il peut faire n'importe quoi. Il faudrait que je puisse me débarrasser des trois et de cet anti-guerriero. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, déjà,
Défausser un ennemi de cette mission. Ça, c'est pas mal. Défausser un ennemi de cette mission. Toi. Oui, parce que toi, le maître espion, il faut aussi l'enlever, quoi. En fait, déplacer un ennemi, défausser, défausser. Ça ferait 3. 3, bah, c'est bien. Ouais. Déplacer, défausser, défausser. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et après, il me faudrait que je puisse faire 6 en dégâts. Mais je fais 2, 4, 5, 6. Oh, bah voilà, c'est bon. Alors, Emiliano, il va se jouer caché. Donc Emiliano, son petit texte, hein. Révélé, pardon, je confonds. Défausser un ennemi de cette mission. On défausse un ennemi. Ben en fait, ben celui-là, allez, ajoutez une carte espion à votre défausse. Donc ça, on l'a défaussé, pas de souci. Deuxième cachet, c'est Anastasio. Anastasio, et ben pareil, il tire et il tue. Et il tue. Défausser un ennemi de cette mission. Donc, bah c'est lui. Ah non, il a deux. Il me faudrait 7 en fait. Ah, il me faut 7. Ah ouais, il me faut 7. Ah oui. Alors là. Oui, j'ai pas compté que lui, il ajoute 1 et ça ajoute 1. Donc il a 3. Ça fait 8. Un anti-guerriero. Et l'autre là-haut, je veux pas. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Ah oui, il m'a rajouté un espion. Ouais, l'espion. Qui c'est qu'on va défausser? Ben, je pense que l'anti-guerriero, il va nous faire piocher un civil. Hein. À moins que je la joue cachée aussi, mais défausser tous les anti-guerriero de cette mission. Eh oui, en fait, il faudrait que j'aie 8 et pas 7, mais je peux pas. Et lance, placer un ennemi, face cachée sur toutes les autres missions. Non. Toi, allez, toi, on te défausse. Voilà, Anastasio, il a aussi attaqué. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, il faut faire 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, je peux pas. Ok. Ça, c'est fait. Dernier cachet. On va jouer donc Adélia. Déplacer un ennemi de cette mission vers une autre mission. Toi, je te déplace. Et celle-ci, j'avais dit que c'est celle que je vais utiliser en dernier, quoi. Parce que celle-ci, c'est. Regardez les trois premières cartes du sommet de la flanque. Remettez tous les espions au sommet de la flanque et déposez les autres. Donc ça, je veux éviter. Que c'est au début de la mission. Ah ouais. Si je pioche des cartes, finalement, c'est des espions que je vais piocher. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est pas pour la prochaine partie, quoi. Ah non, c'est que quand la mission est remplie. Quand la mission est remplie, ouais, c'est pour la suite. Ouais, c'est pas au début. C'est pas défend, en fait, c'est mission remplie. D'accord? Et celle-ci, un seul. Bon, ça va. Et celle-ci, mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirer un au hasard. Ouais. Donc, toi, déplacer un ennemi d'une mission sur une autre mission. Toi, planification. Regardez les trois premières cartes du sommet de la flamme, défausser celle de votre choix et remplacer les autres dans n'importe quel ordre. On va mettre ça. Et toi, je te mets dans la défausse. Donc, on a dit, regardez les trois cartes du sommet de la planque. Ah, il n'y a même pas d'espion. Oh, bon, c'est quand même pas mal, hein. On a quoi? Ah oui, toi, c'est 0, hein. Défausser un ennemi. Donc, ça fait 2. Piocher une carte dans la planque. 2, 3. Ça pourrait faire 1.
Oui, toi c'est zéro. Mince. Retourne et face physique tous les ennemis d'une mission. Regardez les trois cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. Ah, ben, c'est la même chose que Juana. Jacinto, je l'avais jamais eu. Défaussez une carte maquisard de votre main, puis piochez deux cartes dans la planque. Ah ouais, d'accord. Mais ça fait quand même 3 dégâts. 3, 6, 8. S'ils sont 3, 6, 7, ça pourrait faire. Ouais, c'est quand même pas mal. Par contre, j'ai rien à piocher, hein. Donc ces 3-là, je les aurais. C'est déjà ça. Dommage que j'ai pas eu deux espions, ça aurait été bien. Ok, bon, bah maintenant, c'est fini. C'est fini. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Un dégât, deux dégâts. 3 dégâts, 4 dégâts, 5 dégâts, 6 dégâts. 6 dégâts, donc 5, ça c'est réussi. Malheureusement, cela, mon sixième dégât, il ne me sert à rien. Sauf si toi, je t'avais joué caché. Révélé, pardon. Mais bon, donc l'anti-guerriero, ben, il survit, vu qu'il n'est pas mort. Tous les ennemis assignés à cette mission gagnent plus 1 de valeur de défense. Donc, parce qu'il avait 2 plus 1, augmente de 1 la valeur de défense de tous les ennemis autres que les ingénieurs. Voilà, donc lui, il avait 3. Donc, j'ai que 7, 8. Donc, on mélange. Allez, ça serait bien de tirer le 0. Allez, un civil. Ah. Un civil. Un civil dans un cimetière. Et l'autre, ben, l'autre, il fait rien. Voilà. Mais on a quand même réussi notre mission. Celle-ci. On a réussi. On a attaqué le maire, la maison du maire. Ouais. Ouais, sauf qu'elle est bien, bien, bien défendue par des équipes. Par des équipes, comment dire, surprotégées. C'est pour ça qu'ils avaient plus ça en défense. Donc celle-ci est atteinte. On la met de côté. La nouvelle apparaît. Alors j'espère que c'est pas une grosse non plus. Ah, celle-ci aussi, elle est rouge. Tiens, c'est bizarre. Elle fait 7 aussi. Waouh. Alors, c'est quoi? Attaquer le quartier général de Franco. Ah ouais, rien que ça. Ouais, rien que ça. Chaque ennemi invaincu lors de cette mission. Pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piochez une carte du paquet civil et placer la face visible dans le cimetière. Ok. 5 et demi. 2, 3, 4, 5. Oh oui, bah là quand même, je ne sais pas comment on peut gagner la partie en fait. Hein, avec donc ceux-là, ils partent dans en exil. Et nos deux filles, les deux filles, elles vont dans la défausse. Voilà. Deux filles, elles vont dans la défausse. J'aurais peut-être dû rajouter un espion plutôt que de prendre un civil, mais bon, c'est pas grave. Allez, on repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bah voilà. Voilà, les deux espions. Oh, punaise. Ok. Donc là, on n'a pas beaucoup le choix. 7, 7, 7. Bon, bah 8. On va être obligé de tous les jouer cachés ou pas cachés. Bon, au moins, après, on sait que nos 5 prochaines cartes, ce sera, espérons-le. Bon, bah tout cela, on est obligé de les jouer cachés. Alors, ouais, parce que ça fait 6, 7. On pourrait faire 7 en fait. Piocher une carte de la planque. Retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Planif. Et là, défausser une carte maquisard de votre main, puis piocher deux cartes de la planque. Ah ouais. Diviser par 2 la valeur de défense de cette mission. Ah, c'est bien ça! Oui, toi, révélé, ça fait pas mal, ça.
Ça fait plus qu'une mission à 4. 2. Ça sert à rien vu que j'ai mes 3 espions déjà. Défausser un maquiseur de votre main. Ouais. Problème, c'est si je pioche. Piocher une carte de la planque. Il suffit que j'ai un 0. Ah non, c'est marqué quoi? Non, c'est celui-là. Divisé par 2. Non, défausser une carte maquisard de votre main, puis piocher une carte. Ouais, si je défausse celle-ci, ou si je défausse. Non, c'est pas très intéressant en fait. Non, ça c'est pas mal. Parce que ça peut faire 3 et 1, 4 et 2, 6. Je peux avoir 6 quand même. Ouais. Alors, défausser par 2. Puis piocher 2 cartes dans la planque. Waouh! Non, mais il est très fort, Jacinto, là. Ah non, mince, c'est pas ça. Non, c'est celui-là. Diviser par 2 la valeur de défense de cette mission en arrondissant. C'est qu'à l'attaque. Planif. Et planif ou attaque. Planif ou attaque. Donc, c'est pas trop gênant. Par contre, le souci. Ah, bah, c'est celle-ci qu'on va peut-être faire. Parce que celle-ci, il me semble que un seul maquisard peut être révélé. Ah, révélé, mince. Pendant la phase d'attaque du tour, vous choisissez cette mission. Peut-être révélé. Là, c'est 7. Pour chaque ennemi invaincu. Et la recette, mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirer un au hasard. Tous les maquisards cachés en jeu. Et moi, je peux en révéler qu'un seul. Mais cela, mais caché, ça dépend qui je cache. Toi, je te révèle. Toi, tu vas révéler pour faire descendre, par exemple, en arrondissant au supérieur. Divisé par 2, la valeur de défense en arrondissant au supérieur. Donc 3,5, ça fait 4. 4, l'idéal quand même, c'est d'en faire une à 8. Et donc, planif, lui, je peux le révéler. Ok. Lui, défausser toutes les cartes maquisards de. Non. Mais je peux ne pas faire l'action. Ah oui, c'est de là. C'est de là, mais c'est qu'à la phase d'attaque. Donc toi, à la phase d'attaque, tu pourras jouer uniquement en ce moment-là. Donc toi, je peux te jouer là en planif. Toi aussi en planif. Hein. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va prendre celle-ci. Un seul maquisard peut être révélé pendant la phase d'attaque. Je pense que c'est ça. Hein. Par contre, je peux les réveiller à la phase de planification. Ben, on va y aller, hein. Problème, c'est qu'ils vont être tous révélés, quoi. Là, ça va faire 4, ça va faire 2 plus 3, 5. Plus 1, 6. Je pourrais faire 6. 6 après. Ouais. Au supérieur. Divisé par 2 la valeur de défense de cette mission en arrondissant au supérieur. Ok, je réfléchis. Ok, bon, bah, on va faire ça. Hein. On va jouer ces deux-là révélés. Et lui, lui, on verra si on le révèle ou pas. Un seul maquisard peut être révélé pendant la phase. Je pense que c'est ça. Donc, on commence. Ah oui, non, mais c'est pendant la phase d'attaque. Ah oui, c'est que pendant la phase d'attaque, c'est pas avant. Ah oui, mais. Ah oui, pour faire la. Donc, déjà, toi, Adolfo, retourner phase visible tous les ennemis d'une mission. Allez, on les retourne. Mélanger tous les maquisards cachés. Oh, punaise, il a 3. Et retirer un au hasard de la partie. Mais caché, j'en aurai 0, donc c'est pas trop gênant.
Placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. Oh là 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 là. Et puis en plus, c'est des grosses valeurs. Hein. Je comprends pas. Vous devez vaincre tous les gardes afin de pouvoir réussir la mission. Ouf, il a que un. Ouf. Ouf, il a que un. J'espère que c'est pas notre garde. Hein. Dur à cuire. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Ah, oh, punaise. Alors là, je ne sais pas si on peut gagner. Oh, je les ai, ah oui, je les ai tous révélés. Donc là, ça ferait 8. Si je révèle tout, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Et c'est tout. Ouais, celui-là, je ne pourrais pas le tuer. 4, 5, 6. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Donc, avant de vaincre lui. Donc là, ça fait 3. 3 et 4, 7. Ça ferait 7. Mais je ne peux pas les mettre. Donc toi, tu as tout révélé. Bah oui, là, ça peut pas. Ça peut pas. Toi, je suis obligé de te révéler aussi. Et oui, Jacinto, je suis obligé parce que sinon ça fait que 2. En plus, le pouvoir, il est nul. Donc ça ferait 4. 5, 6 seulement. Je ne pourrais pas. Avant de réussir la mission. Ah bah ouais, tu vois. Très très important. Et donc, mélanger tous les maquisards cachés. Donc, il y en aura 0. Ok. Bon, bah, donc toi, on te met là aussi. Assinto. Planif. Qu'est-ce qu'on a? Planif. Ça fait déjà 8. 6. Défausser un autre maquisard de votre main, puis piocher deux cartes dans la planque. Ouais, deux cartes, mais deux cartes, il faut que je fasse 4 dégâts. Deux cartes, 4 dégâts. Parce que là, j'ai 6. Il m'en faut 8. 9, 10, 11. Il faudrait que je fasse 5 de plus. C'est impossible. Donc, bon, bah voilà. Toi, tu vas là. Donc, je ne fais pas l'action, bien sûr. Hein. Je ne fais pas l'action. Et je choisis. Là, c'est planif, planif. Hein. Donc, je choisis forcément cette mission-là. Cette mission-là étant choisie, un seul maquisard peut être révélé pendant la phase d'attaque. Vous décidez de prendre celle-ci. Donc, toi, je te mets là. Ça fait 8 en tout. Divisé par 2, la valeur de défense de cette mission en arrondissant supérieur. Donc, 4, 5, 6, 7. Et j'ai même 8. Mais je peux pas. Donc ces deux-là, heureusement qu'ils ont pas des grosses valeurs. Hein. Ces deux-là, ils sont cuits. Par contre, le soldat, ben le soldat, il tue quelqu'un, mais il tue personne. En fait, ils se sont tous cachés. Et lui, par contre, ça c'est le problème, c'est placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. Ça, c'est pas super. 1, 2 et 3. Voilà. Toi, tu restes. Donc, notre mission, on l'a quand même réussi. Mine de rien, on en a quand même réussi deux. Ouais, deux, mais deux, ça va pas être extraordinaire. Alors, on va déplacer tout ça. Voilà, une. Toi, t'étais là, oui. Ouais, en fait, ça en fait 6 partout maintenant. Et toi, t'en as récupéré 2, c'est ça? Ouais, 6. Et toi, t'en as plus que. T'en as 5. Ouais, bon. Là, quand même, ces missions-là me paraissent. La dernière me paraît bien, bien, bien difficile. Hein. On a déjà perdu 5. 5. Et on n'est pas prêt d'en récupérer, a priori. On n'est pas prêt d'en récupérer, vu qu'il n'y a pas de geôlier. On n'a pas tué de geôlier. Bon.
Au moins, là, j'en ai 5 et je sais que c'est 5 costauds. Waouh, costaud, costaud, ouais, super. Il n'y en a pas beaucoup des costauds, en fait. Hein. Bon, lui, c'est en fonction du nombre de civils dans le cimetière, il me semble. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5. On a Antonio. Antonio, je ne dis pas trop. Défausser un espion de votre main. Bien sûr, j'en ai pas. Ouais. Bien sûr, j'en ai pas. Après, regardez les trois cartes du sommet de la réserve. Mettez-en une au sommet de la planque. Placez les autres sur la réserve dans n'importe quel autre. C'est quand même pas mal, Antonio. Ah, elle va chercher quelqu'un, je crois. Choisissez une carte en exil et placez-la dans votre main. Ah, pas mal ça. Défaussez un ennemi de votre main. Bon, ça, c'est pas le cas. Toi, piochez une carte dans la planque. Une. Ou quatre. Un manuel, je connais pas. Retournez face visible tous les ennemis d'une mission. Et là, planification attaque, retirez de la partie un espion de votre main. Bah, vraiment. Et Abel, Abel, c'est en fonction, ouais. Plus 1 de valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Et plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque civil dans le cimetière. Bon, bah, il n'y en a qu'un. Ça ferait 3. Ça ferait. Il attaquerait à 3. Ok, bon, bah, on va réfléchir un petit peu, hein, mais je pense que toi, tu vas servir. Au sommet de votre planque, ça peut être pas mal. Aussi, ces deux-là. Bon, je vais réfléchir, voir qui je récupère, parce que mine de rien, celui-là, il me fait plaisir. Ricardo, c'est la solution pour diminuer quand même de 4 les missions. Hein. Ouais, Ricardo, c'est pas pour dire, mais je crois que Ricardo, je vais faire appel à ses services de nouveau. Je vais le rappeler. Alors ici, par contre, oh là là, j'ai que 2 cartes. Ok, j'ai mélangé. Donc ça, c'est ma pioche. Pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis. Ok, on va réfléchir. Enfin, j'ai réfléchi. Je me dis. Alors, j'hésite entre les deux là. Celle-ci a plus d'ennemis. C'est aussi contraignant parce que c'est marqué pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piochez une carte du paquet civil et placez-la dans le cimetière. Et là, mélangez tous les maquisards cachés en jeu et retirez-les au hasard un de la partie. Je me dis que quand même, bon, celle-ci paraît moins gênante que celle-ci, mais celle-ci, en fait, je pense que je vais utiliser Manuel dans sa phase planification. Je vais utiliser caché. Je vais utiliser manuel caché. Et manuel caché, il peut révéler, en fait, face visible, tous les ennemis d'une mission. Alors, je m'étais dit que j'allais peut-être révéler tous les ennemis de celui-là. Parce qu'en fonction des valeurs des ennemis et du type d'ennemi, voilà, et du type d'ennemi, je vais peut-être pouvoir les éliminer. C'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'était que caché, je pourrais y mettre ces quatre-là. Par exemple, caché. Choisissez une carte exil et placez-la dans votre main. Donc, je pourrais reprendre Ricardo. Donc, ça fait 2, 4, 8. Ça ferait 8 déjà, 8 en combat. Lui, il a 1 plus nombre de maquis à révéler, ça fera 4. Ça fait, je lui dis 8. 8 plus 5, ça fait 13. Et là, j'ai que 7. 13 et 1, 14. Là, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais peut-être tous les tuer. Donc, je vais essayer de faire celle-ci pour voir. Donc, on est toujours en planification. Donc, je vais essayer de retourner celle-ci. Un maître espion.
Donc il faut le tuer. Donc là, ça fait 2 et 4, 6. 6 et 2, 8. Ou mince, 8 et 3, 11. 12. Ah mince, 13, 14. Il faudrait pas un ingénieur. Oh, et 4. Waouh, celui-là. Ouais, donc là, c'est pas possible. C'est pas possible de la faire. Il y a beaucoup, beaucoup trop. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup trop d'ennemis. Ça fait un peu peur. Malheureusement, ouais, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 18, ça ferait 18. Et moi, je suis qu'à... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14. Je suis qu'à 14. Et 14, 14, ça me fait pocher un civil quand même, 14. 14, ça me ferait piocher, donc un civil. Là, si ça fait 4. Là, je peux m'ajouter un espion. C'est peut-être pas trop gênant. Ou celui-là. Une carte espion dans la défausse de la planque. Bon, bah c'est pas... Si celui-là, je le tue pas. Ça fait 6, 7, 8, 9. 9 et 4, 13. 14, 15. Et je peux pas le tuer. Et maître espion. Ah ouais. En fait, ça va me faire 2. Ouais, ça va me faire... Ouais, si ceux-là, je les tue pas, les maîtres espions. Faut que je réfléchisse. Bon, j'ai réfléchi. Le problème, c'est que ça va me faire... Si je prends ça, ça va me faire piocher, il me semble, 3 cartes civiles. Et là, c'est pas possible. Enfin, 2 cartes civiles, quoi. Parce que soit j'arrive à faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais là, ça me fait piocher 2 cartes civiles. Ouais. 2 cartes civiles, ça fait beaucoup. Et sinon, je suis obligé de laisser ces deux-là en vie. Si je ne prends pas les anti-guerrieros, et ça me fait pencher quand même... En plus de ça, 2 cartes civiles. Donc 2 cartes civiles, ça fait peur. Hein. Sachant qu'il y en a une à 3, 2 à 2, je crois, sur les 8. 3 à 1. Et une à 0, je crois que c'est ça. Une à 3, 2 à 2, 3, 4. Non, il y a peut-être 3 à 2. Il y a peut-être 3 à 2. 1 à 3, 3 à 2, 3 à 1 et 1 à 0 ouais, sur les 8 cartes. Donc bon, je vais pas tenter, d'autant plus qu'il me semble que là-dedans, dans mes cartes, il y a la fille là qui peut enlever tous les anti-guerriers d'une mission. Donc ça serait peut-être intéressant de garder là. Donc la mission que je vais prendre, donc là on est planif ou attaque. Planif ou attaque, toi c'est quand tu veux, attaque, de toute façon, attaque, attaque, donc c'est bon, je choisis donc cette mission, on y va, qu'est-ce qu'on a, un soldat, ah un, ça va, ah un anti-guerriero à un, ils n'auraient pas pu être de ce côté-là. Bon, c'est bon. Un ingénieur à 3 défenses à tous les ennemis. Un garde, c'est pour la mission. Oh, il faut le tuer. Oh là là, ça va être pire. Et un autre garde. Oh là là, vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Eh ben. Donc 5, 8, 5 et 4, 9.
Ah ouais, en plus, ils ont deux. Oh là là là. Mélanger tous les maquis en jeu caché, retirer un aux arts de la partie bah, manuelle ou Abel. Donc ça fera 4. Lui, il faut le tuer, quoi. Dès qu'il est mort, eux, ils perdent, hein, en fait. Hein. 3 et 3. Donc ça fait 4, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, bah oui, ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. Ok. Donc on y va. Tout d'abord, on joue Célia, révélée. Choisissez une carte en exil et placez-la dans votre main. Révélée. Ah oui, mince. On va mettre ça. Ah ouais, révélée. Je prends Ricardo. Que je mets aussi ici. En attaque, divisé par 2. La valeur de la mission. Donc la mission est chute à 4. Ouais, ça, on va peut-être les mettre comme ça. Voilà. Voilà, la mission chute à 4. Ensuite, ouais. Ensuite, Abel, non, toi, regardez les trois premières cartes du sommet de la réserve, en mettre une au sommet de la planque, replacer les autres sur la réserve dans n'importe quel ordre. Donc toi, on te joue aussi révélé. Ok. Et toi, forcément révélé, parce que ça va faire 4. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On peut faire 14. Voilà. Et Abel comme ça. Plus 1 d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Révélé, c'est ça. Alors. On y va, on a l'action donc d'Antonio. Regardez les trois cartes du sommet de la réserve et mettez-en une au sommet de la planque. Alors, les trois cartes, on va remélanger. Bon, ça serait bien d'en avoir un super balèze. Hein. Un super balèze, mais je ne sais pas. Oh, mince. Bon, bah, allez, c'est celle qui est tombée. On va prendre ça. Ben oui, on sait pas ce que. Ah ben non, il y en a trois, oui. C'est bien marqué. Défausser. Regardez les trois premières cartes du sommet de la réserve, mettez-en au sommet de la planque et replacez les autres sur la réserve dans n'importe quel ordre. 3. Ok. Sachant que notre geôlier, il nous fait revenir quelqu'un en exil ou quelqu'un de la réserve. Piochez une carte de la réserve. Oh là 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 là. Défausser un ennemi de cette mission et gagner une valeur de défense et gagner sa valeur de défense en valeur d'attaque. Ah, pas mal. Pas mal. On fait 4. Et je la connaissais pas, Consuelo. Celle-ci. Plus 5 valeurs d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Bon, c'est pareil que Abel. Défausser tous les anti-guerriers de cette mission. Ah, ça aussi, c'est fort. Piocher deux cartes dans la planque. Ah, ça Sagrario. Sagrario, bof. En fait, c'est de là. Elle. Défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur d'attaque. Plus 4, elle. En plus, on enlève un anti-guerrier. Ouais. Et toi, c'est défausser tous les anti-guerriers de la mission. Donc là, ça fait quand même 6 en moins. Hein. Eh bien, on va faire ça plutôt. On va mettre ça, ça. Et t'attaques à 1. Ouais, non, c'est bien. Allez. Oui, il y en a une au sommet de la planque. Ok. Et c'est de là, dans cet ordre-là. Comme ça, si on arrive à défausser le geôlier, ça peut être pas mal. Bon, bah maintenant on fait les calculs. Hein. Donc 2, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On n'a que 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouf! Alors, d'abord, toi, on élimine toi. Donc, ça fait 3. Augmenter de 1 la valeur défense des ennemis, des ingénieurs de cette mission. 3. 4. Ah non, il faut d'abord tuer lui. Oui, 4. 5. Et 5, 10. Ces deux-là. Vous devez vaincre tous les gardes pour pouvoir réussir la mission. 5 et 5, 10. 10 et 4. 14. Ouf! On a eu de la chance. Mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirer un de la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, manuel, manuel. Ah, c'est Abel. Ah, Abel, le prêtre, il nous a quittés. Donc ça défausse et ceux-là, malheureusement, ils partent. Ils partent. Bon, on a quand même réussi la mission. On a quand même réussi la mission. Maintenant, on a ces deux paquets. Trois missions réussies. Bon, par contre, on n'a plus tellement de monde. Hein. Celle-ci, je vais la garder en phare. Là, j'aimerais avoir mes deux anti-guerriers que je vais pouvoir enlever. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oh, je vais me choper deux ou trois espions. Ah, un espion seulement. Ah, deux espions. Deux espions, j'ai pas défaussé un espion. Ou bah là. Ah bah là, on est fini là. Là, c'est fini. La partie est malheureusement finie. On ne peut rien faire. On n'a que 5. Ouais. Donc là, c'est malheureusement fini. C'est malheureusement fini, nos deux espions. Bon, tous les anti-guerriers héros, ceux-là, je pourrais les enlever, mais ça fait que 1 d'attaque. Choisissez une carte en exil et placez-la au sommet de la planque. Mince. Regardez, 3 points de 4, défausser celle de fois, remplacer n'importe quel ordre. Et défausser tous les anti-guerriers héros de cette mission. Ah là là. Non. Bon, ben là, c'est malheureusement, c'est terminé. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas faire 7. Même faire un 7, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas faire 7. Ouais, là. Là, même au cumul, on fait 5. On fait 4. On fait 4. Donc, pour chaque maquisard révélé en jeu, même s'il est 2, ça ferait 3, 4, 5, 6, 7. Ah, non, 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 ça fait 3, 4, 5, 6. Je peux faire que 6. Je peux même pas faire 7. Faire la mission, en fait. Ouais. Parce que là, toi, t'as que 1. 1, on peut les défausser. Toi, choisissez une carte en exil et placez-la au sommet, mais ça, c'est malheureusement pas dans ma main. Celle-ci, je peux pas la garder dans ma main. Regardez les trois cartes du sommet de la planque. Ouais, non. Et toi, bah ouais, toi. Plus 1 valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Bah ouais. Si je mets ces deux là. Ça me ferait 3, 4, 5, 6. J'ai que 6. Ouais, et ben, on a perdu cette dernière mission. Bon, c'était quand même extrêmement difficile, je pense. Pense aussi que certains maquisards ben, m'ont pas aidé. Ils sont pas arrivés au bon moment en plus. Je pense que si j'avais eu Adela au tour précédent, j'aurais peut-être eu plus de chance. J'aurais pu attaquer ça. J'aurais peut-être pu attaquer ça et récupérer peut-être un deuxième maquisard. Mais
Les trois maquisards là que j'ai eu, ils sont pas. Enfin, ils sont pas super forts, quoi. Ils étaient pas super forts. Oui, là, je vois pas. J'ai beau réfléchir, je vois pas ce que je peux faire, hein. Défausser tous les maquisards. Défausser un ennemi de cette mission, mais un ennemi, ça va pas m'être utile. Non, 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 non. Un ennemi, ça va pas m'être utile. Défausser tous les anti-guerriers de cette mission. Bon, ça, j'aurais pu le faire, bien sûr. Ici, là. Avec Soleda. Juste voir quelque chose, si j'avais pris. Si j'avais pris la V2. Si j'avais pris Sagrario. Défausser un ennemi. Une ennemie de cette mission et gagner sa valeur d'attaque. Ah oui, ça aurait pu être bien aussi. Ouais, je pense que j'ai mal joué. Je pense que j'ai mal joué parce que je savais que j'avais Adela. Enfin, que j'allais l'avoir, Adela. Enfin, il y avait de fortes chances que je l'aie. Ouais, j'aurais dû, ouais. J'aurais peut-être dû prendre Consuelo. Ouais, j'ai pas bien réfléchi. Franchement, j'ai pas bien réfléchi. J'aurais dû prendre celle-ci. Okay. Bon, juste pour voir si j'avais pris celle-ci. Juste celle-ci. Allez, voyons voir, vite fait. Qu'est-ce qu'on aurait? Pourquoi j'ai quatre cartes? Non, Sagrario, elle n'y est pas. En fait, j'avais que ces trois-là. Voilà. Si j'avais pris, oui, Consuelo. Attaque, attaque. De toute façon, il fallait que je joue tout en attaque, hein. Ok. Donc, voilà. Donc, on choisit cette mission, bien sûr. On les révèle tous les trois. Donc, on défausse. On aurait défaussé. Voilà. Tous les anti-guerriers. Donc, ceux-là, ils disparaissaient. Ça, c'était pas mal, quand même, avec. Avec comment elle s'appelle? Adela. Voilà. Toi, choisissez une carte en exil et placez-la au sommet de la planque. Bah, la fameuse carte en exil, il fallait reprendre encore, je pense, Ricardo. On aurait repris Ricardo parce qu'il divise par deux quand même les. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et placez-la au sommet de la planque. Et toi. On disait, ah oui, non, avant. Alors, voilà. Donc, toi, bien sûr, on te gardait. On te gardait, mais on défaussait. Qui sait quand on allait défausser? Alors, est-ce qu'on tue quelqu'un? Voilà. Ouais, on te défausse, toi. Voilà. Bon, c'était pas bien gênant. Parce que toi, défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur de défense. En valeur d'attaque. Donc, tu avais plus 4 en fait. Ça fait 4, 5, 6, 7. À 7. On était pile à 7. Pile à 7, on gagnait la mission. Ah, mais on tuait personne. Hein. On gagnait la mission. Donc, lui, malheureusement, chaque ennemi invaincu lors de cette mission piochait une carte civile. Donc, 3. 4. Oh! Bah là, c'était fini. Voilà. On en avait 6. Mince. 6 civils. On perdait. Bon, on ne pouvait pas gagner. Hein? Même en essayant de tricher un peu, on n'aurait pas gagné. Voilà. Bon, bah, c'était quand même bien. C'est plaisant. C'est plaisant. Moi, j'aime bien. On réfléchit. On essaie d'optimiser tout ça. Et puis, bah, malheureusement, la troisième époque, elle est très, très, très dure. Hein? Comme sûrement l'histoire, la fin de la guérilla espagnole, hein, les pauvres maquisards qui ont été décimés. Donc ben là, nous c'est pareil, on n'a pas pu arriver et tenir la troisième mission. Il nous restait encore deux missions, mais deux missions avec le peu de personnes qui nous restaient. Et en fait, finalement, il ne nous restait plus personne. Hein. Il me restait celle-ci, enfin, que normalement j'aurais pas dû avoir,
Et il me restait plus que manuel. Alors pour la dernière mission, ça m'étonnerait que je réussisse grand-chose. Je pense que quand même pour la dernière mission, autant les premières, j'ai réussi à m'en sortir sans faire de recrutement. Autant je pense que pour la dernière époque, là, il faut vraiment faire du recrutement parce que on n'y arrive pas, quoi. Quelle est la mission qu'on n'a pas eue? Alors, la mission qu'on n'a pas eue, ah bah elle était quand même raisonnable, on va dire. Qu'est-ce qu'il fallait faire là? Défendre un carrefour. Lorsque vous choisissez cette mission, défaussez immédiatement tous les maquisards en jeu. Ah! Ouais, donc il vaut mieux mettre en jeu des maquisards qui n'ont pas beaucoup de dégâts, quoi. Ouais, bah celle-ci, elle était pas mal. Bon, après, elle a que 3 points de victoire, donc c'est une raisonnable. Sachant que les autres, bah, elles avaient 5, 5, 4, 4, 4. En fait, ouais, j'ai fait les 2 à 4, les 3 à 4, mais celle à 5, j'ai pas réussi. Celle à 5, c'est quand même le plus dur, attaquer Franco et le poste de police. Voilà, bon, bah, on se verra pour un autre jeu. Mais ce jeu est vraiment bien. Je ferai peut-être une petite partie, une mission comme ça, par hasard, dans le paquet des scénarios. Plus la même, peut-être un petit scénario au hasard, pris au hasard. Je ne sais pas trop. À voir. Ok. Allez, et ben à la prochaine.